Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Cities Skylines 2. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre simulation de trafic, hein, parce que pour le moment c'est vraiment principalement ça. Mais il y a beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis de trafic. La grande question que je me pose c'est maintenant, est-ce que, vous voyez ici, est-ce que je dois garder ça? Sachant que, en fait... Alors là, on avait mis un feu. Ce que je ne veux pas. Mais sachant que normalement, eux, ils n'ont pas priorité. Donc le but, c'est qu'ils aillent quand même ici toujours et que ça bouge toujours et que c'est surtout là que ça va bloquer. Et je crois sincèrement que cette voie-là va devoir évoluer. À voir concrètement où ils vont, mais je sais pas savoir ça. Usine d'incinération, ouais, lui, je sais savoir. Mais vous voyez, tout cela là, tous ceux qui passent ici, c'est une double voie qui va... Bah, je sais pas trop. Ouais, et là, on a toujours ce trafic. Ok, je crois pas qu'on saura régler ce problème dans cette série. Étape 14, trop bien. On a encore le temps, hein. On peut encore bien monter ici, on peut faire beaucoup de choses. Mais cité imposante, c'est plutôt pas mal. Prochaine étape, métropole. Ce qui est cool, c'est qu'on a débloqué des choses en développement. On a des réussites ici. On a le grand pont, mais je crois pas qu'on va le débloquer maintenant. La centrale photovoltaïque, pourquoi pas? Est-ce qu'on a des choses intéressantes? On aurait les instituts ici qui pourraient nous apporter certaines choses. Tout ce qui est système d'alerte, on n'a jamais fait les abris d'urgence, etc. On pourrait une fois s'amuser. On n'a pas vraiment eu de catastrophe non plus, hein. Étonnamment. On pourrait prendre l'aéroport international ou même tout ce qui est bateau, mais bof. Liaison satellite, ouais, j'avoue que je sais pas trop ce qu'on pourrait faire. On a le centre spatial qu'on pourrait quand même une fois poser. Surtout vu que le Starship est parti il n'y a pas très longtemps, ça pourrait être sympa. En tout cas, notre zone industrielle ici a l'air de quand même pas mal bouger. Ce que je vous propose, c'est soit on améliore un peu notre zone ici. Alors là, on a des problèmes quand même de corbillard. On va régler ça. Crématorium. On améliore. Ah ouais, on améliore quand même ici. En soi, ça peut être joli à mettre hein, quelque part, mais... Toujours la même chose, c'est il faut bien réussir à le mettre quoi. Alors ça prend quel espace? Ben, ça prend cet espace là. Je crois sincèrement que la plus grosse chose que je vais changer dans mes... Allez, pour les prochaines vidéos, ce sera la manière dont on place les premiers bâtiments. Et de... En fait, j'ai pensé trop Cities Skylines et je crois qu'il faut plutôt réfléchir... Enfin, Cities Skylines 1. Et je crois qu'il faut réfléchir d'une autre manière de se dire, ok, il faut créer vraiment un petit centre-ville sympa. Plutôt, non, pas un centre-ville justement. De commencer un peu éloigné. Et puis après, à un moment donné, se faire un grand centre-ville. Alors, c'est le but de Cities Skylines, hein, on est d'accord. Mais il y a quand même un petit truc qui manque. Je crois, malheureusement, changer toute cette route ici. Tout le long du tram, etc., on va se mettre... Alors là, on aura toujours trois voies. Donc, est-ce que ce serait pas mieux de plutôt mettre ici, comme ça, six voies. Allez, c'est parti. Ouais, ils sont pas contents. Tu m'étonnes. En même temps, j'ai détruit des milliers de
d'habitation, c'est normal. Alors, je suis pas sûr qu'ici on va re-reconnecter. Au pire, on va le laisser là. Ouais, ça veut dire qu'ils peuvent rentrer que là ou là. On va voir. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Et même chose ici, on est sur deux voies uniquement. On pourrait peut-être en mettre quatre, voire six. Enfin, plutôt six du coup directement. De nouveau essayer de relier si possible normalement. Ok, et maintenant on se met un petit rond-point. Ok, on va relier. Voilà, avec un peu de chance, ça va quand même nous aider. Parce que notre ville devient vraiment de plus en plus grande et je crois qu'il faut qu'on passe vraiment sur des grosses avenues. Et ça aussi, je crois que c'est le plus gros point à changer. C'est de se dire, il faut réfléchir à rapidement pouvoir évoluer et à grossir. Et même chose ici, je crois qu'on va mettre... grosse route. Alors, on va bouger le crématorium si possible. Ouais, et on va tout transformer, hein. C'est parti. Ça va faire mal, je sais, mais on va quand même le faire. En plus, eux, ça les dérange pas d'être ici, alors que les autres, je crois que oui. Alors je vais peut-être redéplacer, alors ça va faire beaucoup d'argent dépensé, mais au moins là c'est bien droit. Alors est-ce qu'il y a des feux qui ont été rajoutés ou non? On va tester sans les feux, enfin comme ça, et on va voir. Parce que du coup on a un accident ici, mais là ça roule déjà mieux. Alors il est minuit, est-ce que ça a d'office un impact? Et là par contre, c'est vraiment le bazar. Et on va être sur le même problème, je crois, c'est que... on pourrait tenter le sens unique, hein, ici. On peut le tenter. On va voir ce que ça donne. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ici, ils viennent d'ici, enfin, ils viennent de gauche ou de droite. Ils vont soit tout droit, ils peuvent y aller. Alors ici, ça aussi, c'est méga embêtant. Le monde. Le monde qui traverse là, c'est vraiment pas top, quoi. On va voir. On va voir si ça peut pas... Waouh, waouh, waouh.
Il faut qu'on fasse un truc pour nos piétons là. On va leur proposer de traverser, mais plus loin. Le but, c'est quand même que ils disent ah ben on va aller par là. En plus, il y a quand même un arrêt, je crois, de tram, donc c'est pas trop grave. Ouais, 124 personnes, pas mal. Et la ligne est 35% utilisée. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on retente le rond-point? Pourrait nous aider à fluidifier le surtout ici. Là, on a deux voies. En fait, j'aimerais savoir la quantité qui va à gauche. Après, c'est peut-être un problème à régler après. Alors là, quand même, il y a beaucoup de monde qui s'arrête. Ok. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de nouvelles zones. Je vous propose qu'on va agrandir la zone ici. Toute la zone ici, on va en faire une autre zone industrielle. On va juste vérifier niveau vent. Ça va vers là-bas, donc c'est pas trop grave. Et c'est parti, on va remplir nos petites zones ici. Alors, il y a nouveau encore un risque qu'on va avoir, hein, c'est que niveau place, niveau quantité de personnes et de véhicules qui vont passer ici, ça va à un moment donné quand même poser problème. Et c'est ici que je me dis que peut-être qu'on devrait faire une entrée-sortie d'autoroute quelque part là. Et ce qu'on peut peut-être faire maintenant en fait. Donc de se dire, on achète les trois là. Parce que du coup là, il y a quand même... Tout ça, il va quand même falloir à un moment donné améliorer. Parce que de base, tout le monde venait de ici. Mais j'aimerais quand même bien que on ait un gros flux en fait. Donc, on va déjà ici partir. Ici, on va faire comme ça. Alors, je vais faire une double sortie, d'accord? Parce que on va sûrement remplir par là à un moment donné. Et alors celui-là, du coup, est-ce qu'il est intéressant? Ouais, parce que du coup, c'est pas une autoroute, donc ça peut être très intéressant à faire. Ceux de droite, est-ce qu'ils peuvent partir à gauche? Ils pourraient. Ouais, écoutez, on va tenter. Une petite autoroute.
On va la mettre en 3 parce que j'ai quand même un objectif que ça devienne une grosse autoroute. Parfait, on va mettre ça, le mode parallèle. Ok, alors pour le moment on est bon, on va faire la même chose. Ici on peut directement mettre une double autoroute. Du coup en mode parallèle. Parfait, on améliore, et ici on va se mettre une petite sortie. Et on va modifier là alors si possible. Voilà, et maintenant on va essayer de mettre du coup trois voies. Check, 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 ici. Voilà, on va laisser comme ça pour le moment. Même si l'objectif c'est quand même d'acheter toutes les zones ici, on a quand même assez d'argent, on pourrait au moins faire ça. Mettre ici un gros échangeur. Ok. Et là, on a tout débloqué, ouais. Alors, on va se mettre un échangeur. Boum. Est-ce qu'il y a des choses à faire là? Il y a peut-être des choses à faire quand même. Mais il est très gros cet échangeur. On va garder celui-là. Ok, alors tout ça, ça va dégager. On prend notre autoroute à trois voies. On prend ceci en mode parallèle. Et c'est bon. Lui, on le dégage aussi. Super, et même chose, on prend nos voies là. Alors la question c'est est-ce que je vais pouvoir relier? Ouais, apparemment je peux relier donc. Dans le sens je dois pas lever des choses ou autre. C'est parfait. Alors maintenant on améliore les deux trois petites choses. C'est parfait, et du coup on aura juste ici encore à changer, mais ce sera déjà pas mal en vrai. Alors les demi-tours, je suis bof pour, mais on va faire comme ça, hein. Et du coup on a ici une grosse grosse zone.
qu'on va pouvoir du coup un peu améliorer avec le terrain de foot parce que j'avais un peu fait n'importe quoi. Ok. Alors le tram, est-ce qu'il est utilisé? Il a l'air d'être quand même... Ouais, surtout là en fait. Ici c'est où? What? C'est quoi ce monde là? Pourquoi il y a autant de monde? C'est abusé. Rien que pour ça, le métro, je me dis que parfois ça peut être intéressant. Parce que là... On a beaucoup de monde qui attend, quoi. Là, on en a 103. En théorie, ils vont tous sortir et puis ils vont tous re-rentrer. Mais on a à chaque fois ici un tram qui est rempli de fous. À voir, j'ai juste pas l'impression qu'ils sont bien répartis. Genre ils se suivent juste, mais ils sont pas assez bien répartis. Parce que l'autre, il est là et du coup, il se bloque à chaque fois tous. Ça veut dire que j'ai mis des arrêts trop proches, hein. Tout à fait possible ça. Ok, en tout cas, est-ce que les gens utilisent notre... Ouais. Ce qui est bien, c'est que du coup, si on met ici une sortie d'autoroute et du coup une sorte d'entrée pour là, ça va être super. Et donc, on a créé une nouvelle zone. On va quand même la remplir. Histoire de répondre à notre demande. Parfait. Voilà, ça va se remplir petit à petit, ça va être très bien. Nous avons une surabondance de production. Parfait. Niveau eau, on est toujours limite. Ce que je vous propose, c'est que on essaie de voir. Alors, ici, c'est toujours pas. Non, ça va mettre le temps, je crois. C'est marrant parce que ça a l'air de beaucoup avancer, mais en même temps, pas trop. Donc ici, je crois qu'on va un peu refaire nous, et on pourrait peut-être, on pourrait faire ça. Prochain épisode, on va faire ça, on va se faire une nouvelle petite zone ici, d'habitation, un peu isolée. Je sais pas quel style. Pourquoi pas des logements mixtes? Ou à faible densité. Pourrait aussi faire des bâtiments à faible densité américains. En tout cas, on va faire ça. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et nous, du coup, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!